Sur les anciens abattoirs de Casablanca, et nous sommes aujourd'hui satisfaits, on peut dire, de la démarche à la fois de la ville de Casablanca qui a enclenché ce système et à la fois du contenu de cette première expérience de réhabilitation de friches urbaines qui marche, qui fonctionne. Donc nous sommes, je pense, en train de sortir du tunnel, à la fois parce qu'on peut dire que l'expression artistique elle-même du cinéma s'améliore considérablement. On peut dire qu'aujourd'hui, en tant que spectateur, cette fois-ci, on peut dire quand même que nous avons au moins une dizaine de vrais bons films marocains, maroco-marocains aujourd'hui. On peut enfin aller au cinéma et s'installer pendant 2 heures pour un très 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 bon film marocain qui nous plaise et qui nous concerne. Parce qu'on l'a aimé dès notre jeune âge. Quand j'étais étudiant, j'allais au cinéma 3 fois par semaine. Pour moi, c'était une école plutôt qu'une société. C'est pas un spectacle seulement. On apprenait beaucoup de choses au cinéma. On voyageait, on apprenait la diction. On voyait comment les gens vivaient aux États-Unis, aux Indes et partout dans le monde. Le cinéma fait voyager. Voilà le rêve, tout simplement. Vous êtes dans un local qui appartient à la Chambre marocaine des salles de cinéma depuis 1967. Il a été acheté à 50 000 dirhams. Il en vaut maintenant une fortune. Il se peut qu'on le classe aussi, qu'il ne disparaisse pas, et qu'on reste dans le giron des salles à classer. Les salles cinéma au Maroc, il y en avait 300. Il en reste 37, 10% à la peine. Pourquoi ? Les années 80, on faisait. Le Maroc comptait peut-être 15 à 20 millions d'habitants et on faisait entre 40 et 50 millions de spectateurs. C'était rentable. Alors que les taxes à l'époque étaient de 43 ou 44%. Je ne vais pas vous les décrire, mais cela ne fait rien que je vous dise que le cinéma était le commerce le plus taxé au Maroc. Avec 47%, des 6% au centime diplomatique, 6% au droit des pauvres, 20% à la commune, 10% pour le fonds d'aide de salle, 1,5% pour les droits d'auteur, 1,5% pour le timbre et la Palestine et les gens passent. Alors, la décadence du cinéma a commencé quand la vidéo a apparu aussi. Il y avait des clubs de vidéo partout. À ce moment-là, les salles de cinéma commençaient à perdre leur clientèle. J'ai ici les chiffres. Depuis 1987, parce que c'est une société
qui appartient conjointement au CCM et au champ professionnel qui fabrique les tickets de cinéma, mais l'exclusivité. Alors, elle a établi les statistiques. En 87, les salles cinéma faisaient 39 500 000 entrées. En 88, 28 millions. En 90, 36 millions. En 93, 22 millions. 30 millions, 25, 17, 15, 16, 13, 13, 12, 11, 7, 6, 3, 2. Et en 2007, 2 600 000 entrées, y compris le Megarama. C'était l'apogée du cinéma à l'époque. On gagnait de l'argent malgré les taxes. On investissait, on embellissait la salle. On a réformé les salles. Ce qu'on n'a pas fait, c'est diviser les salles comme c'était arrivé en France en multisalles. Parce qu'en France, il n'y a plus de salle unique sauf le Rex à Paris ou quelques salles dans certaines villes. Ça marchait. Pourquoi diviser? Le rôle de l'administration a été néfaste pour le cinéma. Au lieu d'aider l'exploitation et les distributeurs à se maintenir, on ne nous écoutait pas. Les réunions étaient stériles. On posait nos problèmes, on n'était pas du tout écoutés. Malgré que les contacts étaient permanents et sans relâche avec tous les directeurs de centre qui se sont succédés les uns les autres. La situation actuelle est des plus tragiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il reste que 37 salles ouvertes et qui font des recettes minables. Comme je vous l'ai expliqué, le nombre d'entrées correspond aux recettes, c'est des recettes minables. Mais les salles qui sont fermées ne sont pas détruites, heureusement. Elles représentent un patrimoine qui a été modifié. Et le troisième projet, qui a été envoyé au ministère des Finances pour approbation, n'a pas la nôtre. On n'accepte pas ce projet, parce qu'il ne répond pas à nos besoins. Et je peux vous lire, notre association avec ses distributeurs a adressé à Monsieur le ministre de la Communication sur les conseils d'administration de la Chambre marocaine des salles de cinéma et celle des distributeurs de films se sont réunis le 8 septembre 2009 pour étudier en profondeur le projet du contrat programme tel qu'il a été élaboré par votre ministère, le CCM et la participation des gens professionnels. On n'a fait que participer, on n'a rien élaboré. Ce projet appelle dans notre part les remarques suivantes. Premièrement, dans le contrat programme, la lutte contre la piraterie vient en dernier lieu. Nous voulons qu'elle passe au premier. La lutte contre la piraterie doit être traitée en priorité, entamée sans délai budgétaire, de l'équivalent de ce qui est accordé à la production nationale, devra être réservé à la rénovation des salles, qu'elles soient ouvertes ou fermées, et non encore démolies, parce que ce qui est démoli, c'est terminé. Il y a plus de centaine de salles qui restent encore debout. Vous avez vu à la télévision un aspect de ces salles, on en est à lamentable. Mais elles existent encore, le terrain est là, et ils sont bien rénovés, ce serait très simple et facile.